viens à mon aide. Thank you.
fut créé dans le ciel et sur la terre. De l'Épître aux Éphésiens. Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous, par sa puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même imaginer. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise.
En proclamant Jésus Seigneur, adressons-lui nos demandes. Ô Christ, tu nous appelles à combattre pour ton règne. Arme-nous de patience et de douceur. Par la force de ton esprit. Tu envoies des disciples préparer la route devant toi. Donne-leur d'annoncer l'Évangile avec assurance. Par la force de ton esprit. Toi qui inspires à tant d'hommes et de femmes de te consacrer leur vie, accorde-leur de te suivre jusqu'au bout. Maître et Seigneur, tu as lavé les pieds de tes disciples, relève-toi en ceux qui servent leurs frères. Par la force de ton esprit. Fils du Dieu vivant, nous confions à ta miséricorde ceux que nous pleurons, toi qui as fait sortir Lazare de son tombeau. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Écoute, Seigneur, la voix de ton Église en prière. Pardonne-lui, crée en elle un cœur pur, qu'elle soit généreuse à te servir et toujours plus sûre de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Théo représente pour moi un moyen de distraction aussi, parce qu'il y a des émissions qui sont très attrayantes et très distraites.